Images a été ainsi justifié par le porte-parole de l'armée israélienne, l'amiral Daniel Agari. Voilà ces mots. Nous ne laisserons pas oublier ce, que, ce qui s'est passé. Ce que vous allez voir, ce sont les preuves des crimes du Hamas, les preuves que ce sont eux qui mentent. Euh, Meriam Amelal, c'est intéressant l'idée que l'image, c'est la preuve. C'est ce qui s'est joué là, selon vous, euh, avec cette. Euh, Projection de, ce, de ces moi, films ce qui, terribles. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a réservé la projection à, à des journalistes, à une catégorie oui. euh, de, de personnes, je dirais, dont, dont la profession est d'informer, donc ce qui est assez logique. Mais ça montre bien qu'il y a deux méthodes différentes qui sont employées. On a la méthode Israël est un pays occidental, euh, qui se situe au Proche-Orient, certes, mais c'est un pays occidental. On ne montre pas des images d'horreur. Euh, Nous-mêmes, euh, sur les chaînes d'infos euh, à France 24, par exemple, on a des, des débats. Avant de diffuser des images, euh, on ne diffuse pas tout, on trie, on sélectionne, on ne montre pas tout parce que tout n'est pas, pas à montrer. Mmh. Et on voit bien qu'Israël a montré à une catégorie, à une, une confiance euh, à de montrer confiance. À, à des mmh. journalistes, euh, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, où il y a une diffusion d'images sur les réseaux sociaux et même sur les chaînes d'infos en continu, les chaînes d'infos euh, en arabe, où on voit des images atroces qui sont diffusées au grand public des images de massacres, des images de bombardements. Euh, les, premiers, les, les premiers bombardements sur Gaza après le, le massacre euh, du Hamas. On a vu euh, Al Jazeera, d'ailleurs c'est toujours le cas encore aujourd'hui, plante des caméras euh, où on voit en direct ce qui se passe mmh. et on voit par exemple des bombardements, des, des corps qui, qui brûlent euh, sur le sol en direct. Euh, qui, en direct mmh. euh, cette image en direct qui est diffusée au grand public. Là on s'adresse à des journalistes et on donne les preuves à des journalistes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la différence oui. de communication des deux côtés avec la même finalité Marc Weisman. Les deux prétendent montrer des images pour dire voilà la réalité. C'est intéressant que euh, deux modèles très différents euh, effectivement de diffusion d'images ont la même finalité. Les uns montrent aux journalistes pour dire le Hamas a menti le 7 octobre et le Hamas montre des images terribles de civils pour dire les Israéliens nous détruisent et détruisent les civils. Regardez les images. Oui. Il faut revenir une seconde sur les images qui ont été montrées par les Israéliens. Oui. D'abord, il y a trois types d'images qui sont montrées. Il y a les images des vidéos de surveillance des kibbutz il y a les images des téléphones des victimes qui ont filmé en partie ce qui leur arrivait et il y a les images des caméras GoPro dont ont été équipés les tueurs du Hamas. On, est, on explique, euh, hein, les, les GoPro, c'est des caméras qu'ils portent sur eux-mêmes une, une caméra telle que celle qu'avait Mohamed mera par exemple, Absolument. à Toulouse en, en 2012. Mmh. Euh, Absolument direct, ou, voilà, ou, ou voilà. en enregistre, en tout cas, on peut euh, filmer son action en cours. En voilà, donc les autorités israéliennes ont récupéré les, les, ces images sur les caméras GoPro des, des djihadistes qu'ils avaient tués. On n'a pas les images des djihadistes qui ont survécu, qui sont rentrés. Euh, oui. à Gaza. Sûr, ce sont des détail. images qui ont été prélevées un détail sur, euh, sur qui, des combattants tués. Euh, ensuite, la question de la preuve. C'est intéressant parce que euh, on a, ça, ça pose la question de savoir exactement euh, euh, à quoi servent ces images. Elles n'ont elles pas la même fonction pour le Hamas et pour euh, les, le, 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 les autorités israéliennes, alors qu'il s'agit des mêmes images, en partie des mêmes images. Euh, pour le Hamas, il s'agit d'une de, de de, violence performatée, en fait. Est, la question du vrai et du faux ne se pose plus, c'est la question de l'authenticité. Voilà ce qu'on fait vraiment, on fait vraiment ça, et c'est un acte héroïque. Résultat, le lendemain et le surlendemain. On a des manifestations à Sydney, à Londres, à New York et à Paris qui disent Gazer les Juifs, qui disent euh, Fuck the Jews, qui montrent des drapeaux nazis, qui font le salut hitlérien sur la place de la République. C'est-à-dire que. Ça, mon... c'est lié aux images. Ah, bah oui, c'est lié à l'annonce, à la spectacularisation du massacre. Et ça fonctionne. Le, le... Et donc, la question que, que pose, la question très intéressante et vertigineuse que posent les autorités israéliennes, c'est comment montrer des images de massacres sans en faire la retape. Comment les intégrer dans un discours qui soit un discours d'analyse et plus un discours publicitaire mm. C'est tout l'enjeu de l'information à partir d'images qui sont, qui sont par définition obscènes et, et qu'on va voir de plus en plus parce que la technologie le permet. Euh, on, a, on, a pas, on a changé de paradigme à un moment donné. On est passé à une époque où, c'est quelque part entre Mohamed Merah et Daesh, on est passé à un moment où il est possible de, de rendre la violence, d'en faire un spectacle live. Euh, et, de, et plus c'est atroce, plus c'est spectaculaire. Il faut se souvenir que les images de Daesh les plus gores, les vidéos les plus gores, étaient aussi celles qui avaient le plus de succès, celles qui généraient le mmh, plus de vocation. Ouais. Mmh. Les décapitations. Mmh. Ça avait le plus de succès et ça a généré des vocations des gens qui sont partis à cause de ces vidéos. Là, c'est pareil. Il y a eu une forme d'enthousiasme. Euh, il y avait un, le, le, le plus spectaculaire était le, un prof à Cornell Université aux États-Unis, qui a, le lendemain ou le surlendemain <coughs> des massacres, alors que les images avaient été diffusées, a fait cette déclaration J'ai trouvé ça euh, énergisant, j'ai trouvé ça exaltant oui, oui. dans une manifestation. On l'a oui. tous plus ou moins vu. Donc il y a quelque chose avec ces images qui, qui est dangereux, qui est toxique et qui permet de diffuser la violence. Mondialement. Et je pense que l'attitude des, 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 des autorités israéliennes consiste à essayer de les, re, de les recadrer, de les reprendre dans une narration autre, euh, euh, non pas contre-propagandiste, mais contre-terroriste. Alors on Terroriste. verra tout à l'heure des images israéliennes que certains considèrent comme propagandistes, qui ne sont pas des images de barbarie, enfin, mais davantage des images d'émotion des otages. Mais c'est intéressant dans cette question de la narration, on va y revenir dans un instant. David Colomb, vous vouliez prendre la parole. Oui, je voudrais juste préciser que ça fait maintenant plus de 20 ans que l'image est un instrument pour les organisations terroristes. Le Hamas a eu recours au téléphone portable de ses militants pour filmer des victimes civiles palestiniennes en 2002 et faire échec à la tentative qui était celle de l'État d'Israël et de son armée de contrôler étroitement l'information sur l'opération de, de, de Jenin. Euh, au même moment, on a des déclarations d'Oussama Ben Laden qui écrit ⁇ Il est évident que la guerre médiatique est au XXIe siècle l'une des méthodes les plus puissantes ⁇ Et puis Daesh dont on vient de parler, considérait dans un manuel de propagande que les armes médiatiques pouvaient être plus puissantes que les bombes atomiques. Mmh. En l'occurrence, le recours aux images et à leur diffusion virale visait à tétaniser l'adversaire, tétaniser bon. les populations, les priver de la volonté même de se défendre et de combattre. Mais, euh, Myriam, si vous le savez, moi je ne le sais pas, est-ce que ces images, avaient, les images donc, ont été montrées, les images parce qu'elles ont été prises effectivement sur des combattants, mais les images filmées par les combattants, elles sont devenues quoi Les images de, de combattants qui sont revenus dans la bande de Gaza elles ont probablement vocation à être diffusées, peut-être pas tout de suite, euh, le moment venu, parce qu'on ne, ne, ne filme pas euh, ce genre de scènes pour les garder en, en archive. Euh, ça, le, le, le but oui. du terroriste, c'est de terroriser. Oui. Et, et pour terroriser, il faut que la plus grande majorité euh, de, de, de gens puissent voir la terreur et, et les massacres. Moi, je me souviens, en Algérie, dans les années 90, il n'y avait pas tous ces, euh, tous ces moyens de, de communication où, où j'ai vécu, où j'ai vécu le terrorisme. Euh, il y avait la presse, la presse écrite. Il y avait les photos qui étaient publiées, mm. ça suffisait à terroriser. Et puis il y avait les récits mm. euh, aussi de des gens qui racontaient euh, les cris qu'ils entendaient quand on massacrait des villages, euh, et puis euh, les, les explosions, les bombes, etc. Euh, avec, j'ai envie de dire, le, le terroriste a évolué avec son temps. Euh, voilà, et, il, y a, il y a des moyens de communication euh, aujourd'hui qui permettent de diffuser cette violence, de montrer cette violence mm. et de terroriser davantage. Eh bien, il la question du temps est centrale. C'est-à-dire qu'avec les images que conserve le Hamas pour une diffusion éventuelle, comme avec les otages, les images sont des sortes d'otages et les otages sont des images potentielles. Mmh. C'est-à-dire qu'il est, est très possible qu'un jour on assiste à l'exécution d'otages filmés. Euh, le, le Hamas se donne la possibilité de, pro de pérenniser la terreur dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit comment la terreur commence, mais elle ne finit pas. Elle reste là, potentiellement, prête à être terreur, Un état de terreur. Ouais. Un, un état de terreur dans le temps, oui. Euh, je me tourne vers vous, Nicolas Delessal. Euh, je le disais en présentation de l'émission, et vous avez commencé à, à l'évoquer. Euh, Israël a tenu aussi à montrer autre chose à des journalistes. Ce sont les corps euh, des morts, et des corps euh, dans un sale état, euh, si je peux me permettre l'expression. Ces corps, vous les avez vus. Euh, dans quelles conditions, d'abord, les avez vus Qu'est-ce que vous avez vu Alors, les, toutes les, tout, tout est moins organisé et industrialisé qu'on l'imagine de l'extérieur. Oui. On arrive, on sait qu'il y a une morgue euh, de fortune immense dans une base militaire au sud de Tel Aviv. On s'y rend, on essaie de rentrer, on n'arrive pas à avoir les autorisations. On a, on a un numéro de téléphone d'un médecin légiste qui dit Mais avec plaisir, je veux bien vous parler, mais il faut l'autorisation de l'armée israélienne. Et de, de fil en aiguille, on nous dit Venez à 22h, euh, on va vous faire rentrer. Et donc, ce n'est pas préparé en amont, mmh. mais ça a l voilà. Et donc, on n'est pas les seuls, on doit être une dizaine, une quinzaine de journalistes. On est les seuls français, mais il y a des journalistes, je me rappelle, il y avait des Argentins qui étaient là, parce qu'il y a des Argentins qui sont morts. Euh, et, et là, on, a, on rentre dans, dans, dans la base où il y a des, 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 des containers gigantesques réfrigérés. Euh, la température est encore très élevée là-bas, hein, c'est 25-26 degrés, donc il y a une odeur évidemment très puissante, euh, parce que vous avez plusieurs, plusieurs centaines de, de corps. Hein, des, on est plus, plus de 1000 qui sont entassés mmh. dans, dans ces dans ces conteneurs et parfois.